Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très attendue je pense. Aujourd'hui en fait mon retour sur YouTube après presque un an d'absence, un an sans vidéo. Je pense que ça va faire vraiment plaisir à certains, mon retour. Enfin du moins c'est ce que j'espère. Aujourd'hui pour mon retour on va tout simplement commencer par la rénovation du terrain. Parce que bien évidemment 8 mois sans vidéo veut dire 8 mois sans réparation du terrain. J'ai déjà commencé hors vidéo à le rénover comme vous pouvez le voir juste ici. Le premier seau et quelques seaux du terrain sont déjà rénovés. Je vous ai filmé ça d'ailleurs pour Instagram et pour TikTok. N'hésitez pas à aller voir, je vous les mets juste ici. Enfin bref, cette vidéo va commencer par la rénovation de la plus grande partie du terrain. Bien évidemment, si je répare tout ça, c'est pour les rouler dans cette vidéo. Mais avant de les rouler, il faut les construire. Je peux vous filmer tout ça, bien évidemment, comme à l'ancienne, en accéléré. Et puis, on est directement parti. Let's go. J'avais fini la rénovation du premier seau. Le résultat est vraiment beau. Maintenant on enchaîne tout simplement avec la suite, c'est à dire le tout petit seau là que je veux bien agrandir avec le reste de terre que j'ai juste ici. Je vous laisse avec les plans en accéléré comme d'habitude. Et puis voilà, c'est parti. Voilà les gars, maintenant que le seau et la réception sont finis, je vais encore enlever toute l'herbe qu'il y a autour de cette réception et puis autour de ce seau pour faire un plat ici, pour que ça rende plus esthétique le seau là qui relie au step-up qui est encore abandonné pour l'instant. Comme ça, je vais déjà prendre l'avance pour les prochains travaux du step-up. Et puis voilà, c'est parti. J'ai enfin fini le seau, c'est vraiment un rendu magnifique. Les gars, au final, ce seau, ce que je veux faire, je vais essayer de le sécuriser. Puis comme ça, j'aurai une ligne accessible à tout le monde. Et puis comme ça, ouais, ça sera vraiment la ligne d'entraînement sur mon terrain. Et les autres lignes seront consacrées tout simplement quand on sera bien échauffé, des plus gros seaux, etc. C'est parti, je vous laisse accélérer et je vous reprends tout à l'heure. Ça y est les gars, j'ai enfin fini de construire tout ce que j'avais à faire sur cette ligne. Passage hors caméra, j'ai un peu aménagé là-bas tout ce que j'avais creusé. J'ai enlevé toute l'herbe qu'il y avait entre la réception là jusqu'au seau là-bas. Et puis voilà, tout simplement maintenant, on va sauter toute la ligne. Je vais essayer de vous faire des beaux plans. C'est parti, on monte la rampe et on teste ça directement. En tout cas, j'espère vraiment que le retour des vidéos YouTube vous fait vraiment plaisir. Pour ma part, ça fait vraiment plaisir de retrouver le terrain et tout. On va faire le premier test des trois seaux. Ils sont bien prêts, tout propres. Directement parti pour le test. La trajectoire n'était pas bonne du tout. Bref, on va refaire tout ça jusqu'à retrouver la bonne trajectoire et enchaîner ces trois beaux seaux. Cette fois-ci, j'ai enchaîné les trois. L'enchaînement était catastrophique. Là, je suis atterri tout droit par là-bas. Ici, du coup, je l'ai pris tout à gauche. C'était pas beau, quoi. On va vraiment se refaire ça, histoire de vraiment améliorer mes trajectoires. Voilà, on est reparti. Hein.
En tout cas les gars, vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir de reprendre les vidéos et de pouvoir rerouler le terrain. Pour l'instant certes je roule que 3 sauts, mais franchement rien que ces 3 sauts là ils ont un feeling de fou, donc c'est incroyable quoi. J'ai vraiment hâte que le terrain soit vraiment tout propre, parce que je pense la vue de la rampe avec le terrain tout propre, ça doit être magnifique de chez magnifique. Mais bon là avec la chaleur tous ces jours, c'est un peu difficile à travailler sur le terrain quoi. Maintenant que je suis bien échauffé, que j'ai des bonnes trajectoires, je vous laisse directement avec un petit edit de plusieurs plans. C'est parti! Bon les gars, sur ce, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Dans la prochaine vidéo, je pense qu'on va continuer le nettoyage du terrain. J'essaye de faire le plus possible, mais en fait, ce qui est vraiment embêtant sur le terrain, c'est que environ toute la journée, il est en plein soleil. J'ai juste à partir de 19h qui commence à être à l'ombre. Et c'est seulement à partir de cette heure-là que je peux commencer à bosser sur le terrain. Et puis voilà, moi je vous laisse et rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ciao les gars!